C'est comme s'il fallait s'engueuler, tu vois, se disputer, dire des choses méchantes pour après s'entendre bien, faire des câlins et tout le bordel. Avant, on avait plus de bons moments que de mauvais moments. Mais depuis un certain temps, c'est l'inverse. On peut pas se quitter parce que les bons moments, ils comptent. Ils pèsent encore trop de poids pour nous. Moi, j'attends de plus avoir aucun bon moment avec toi pour qu'on se quitte. Mais il y en a quand même tout le temps. Mais je peux plus rester avec toi. Je sais bien que je te fais du mal aussi, c'est inconscient. C'est quelque chose dans notre relation qui est de l'ordre de la destruction, de la passion. On a trop voulu longtemps être qu'une personne. On peut pas. On est deux. On n'est pas un. J'y croyais. J'y croyais, c'était pas pour rire. J'y croyais fondamentalement, j'aurais donné ma main à couper, mais c'est pas vrai. Et c'est très dur de faire le deuil de ça et de trouver un nouveau mode. Tout s'en est allé. Il faut que je grandisse, que je me dise ça. Pourquoi on est jaloux comme ça? Parce que même si tu me dis non, 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 pour toi, je suis à toi. Même si tu me dis oui, tu peux faire ce que tu veux, si je te réponds sincèrement, pour moi, tu es à moi. C'est la croyance que j'ai au plus profond de mon cœur. Et je sais que c'est pas vrai. Enfin, tout ça, c'est pour survivre. C'est purement égoïste. C'est pas pour aller voir quelqu'un d'autre, j'en ai rien à battre. C'est pour enlever l'amour et vivre moi. Non, plus d'amour, plus ça. J'en veux plus. Même si c'est très beau, ça détruit trop. Et c'est un instinct de conservation. Et toi aussi, si tu me quittes, c'est pour ça. C'est pas pour finir par péter complètement les plombs, par devenir folle, par me taper. C'est pas parce que tu m'aimes plus. C'est justement parce que tu m'aimes trop. C'est pour ça qu'on va se quitter. C'est pour ça que... quoi? Non mais tu parles à qui là? C'est Melzer qui fait mal hein, en ce moment. Il couvre beaucoup de terrain, il court beaucoup. Gaël, attention, parce qu'au début du cinquième, c'est lui qui avait la maîtrise du jeu. Il est en train progressivement de reprendre. Tout à l'heure, je voulais lui dire quoi? Non, là-bas, les fautes. Oui, l'arbitre descendra même pas complètement. Si, ça y est, il est en route. Voilà, confirmation, même assez nettement. Hein.